Mon premier sentiment, c'est ouais, c'est bien, surtout avec les supporters. Je suis content que ouais, qu'on peut jouer le dernier match de notre préparation avec les supporters parce que ça fait du bien et surtout parce qu'on a gagné. Je pense qu'on est, on a pas mal joué et je pense qu'à la fin, on mérite de gagner ce match-là. Surtout avec un nouveau coach, avec un nouveau système, avec ouais, une nouvelle manière du jeu. Ça veut dire on a besoin quelques matchs pour retrouver comment il veut jouer. Et voilà, non, on est très content avec le résultat, ça c'est sûr. On était bien contre Francfort et même aujourd'hui, on peut dire qu'on a joué un bon match. Et voilà, on veut essayer de donner quelque chose à notre supporter. Comme j'ai dit, c'était une nouvelle manière de jouer. Et voilà, ça fait du bien dans quelques semaines si tout le monde est là pour cette saison. Je pense qu'on a manqué la saison dernière. On a manqué beaucoup de points à cause des supporters. Et voilà, bon, voilà, tu vois, aujourd'hui, on a joué avec, je pense, 10 000 supporters. Et ouais, ils ont vraiment poussé et c'est ça le résultat. Voilà, on a gagné ce match-là et j'espère qu'on peut donner encore ouais, des bons moments pour les supporters. Aujourd'hui, on avait à cœur de montrer aux supporters de qu'on était capable et tout ce qu'on a fait pendant la préparation. On voulait confirmer ça aujourd'hui et c'est chose faite. On va récupérer et être en forme pour préparer la semaine et préparer le match d'Angers. J'étais déjà très heureux de retrouver la méno avec un peu de public, ça nous a vraiment donné de la force pour ce dernier match amical et en plus de ça, on a réussi à l'emporter, c'était quelque chose d'important parce qu'on est quand même des compétiteurs et on joue les matchs pour les gagner. Le coach, il nous demande des choses qu'on arrive à mettre en place petit à petit. En tout cas, l'ambiance de travail à travers les entraînements et les matchs amicaux a été très bonne, donc on est sur la bonne voie. Maintenant, on a hâte que le championnat commence pour valider toute cette préparation. C'était une occasion spéciale pour moi de pouvoir refouler ce stade de la Méno, de retrouver aussi l'ambiance des supporters. Non, c'est un réel plaisir, d'autant plus qu'on gagne le match et ça nous donne confiance pour ce début de championnat. C'est ce qu'on a besoin. Ils ont fait une bonne préparation. Moi, j'ai pris en cours de route. Je ne suis pas encore à 100%, mais bon, petit à petit, avec le rythme des matchs, ça va revenir. J'étais quand même ému, c'est une chose qu'on contrôle pas. J'avais la chair de poule, et voilà, ça fait toujours quelque chose en moi de pouvoir revenir ici, de pouvoir refouler cette pelouse. Maintenant, voilà, l'émotion est passée, on va pouvoir retravailler tranquillement pour attaquer ce début de championnat en toute tranquillité. C'est une bonne formule pour nous, ça a permis de faire jouer un grand nombre de joueurs 90 minutes ou plus, pour certains, un petit peu plus. Ça s'est relativement bien passé. Je trouve qu'on a eu un premier match avec beaucoup d'intensité, vraiment un match intéressant, une bonne opposition avec des joueurs et une équipe qui a l'habitude de fonctionner ensemble depuis maintenant un petit moment. Ça s'est vu qu'il y avait des automatismes, on a très bien démarré le premier match, les 10-15 premières minutes ont été vraiment très intéressantes. Dans l'utilisation du ballon, dans le contre-pressing, c'était bien. Après, ils ont pris un petit peu l'ascendant. On a réussi à marquer finalement dans un temps un petit peu plus faible pour nous. Je trouve qu'on a assez bien contrôlé la deuxième mi-temps aussi. Après le deuxième but, on a reculé, mais sans être vraiment dangereux. Bon, c'est dommageable d'avoir concédé ce corner. Je pense qu'on aurait pu l'éviter à la toute fin. On voit bien que, et c'est typique de tous les matchs de début de saison, de préparation, même souvent encore sur les premiers matchs de championnat, qu'il y a des trous au niveau physique dans le match. Ce que j'ai apprécié particulièrement sur le premier match, c'est que même lorsqu'on était un petit peu moins bien dans l'utilisation du ballon, on a su rester très cohérent défensivement pour finalement concéder assez peu de choses. Mais on a besoin encore de monter en gamme forcément au niveau athlétique. Bon, il faisait chaud cet après-midi, c'est les premiers efforts. Ça pèse sur les organismes. Donc ça, c'est la première donnée, d'avoir un petit peu plus de contrôle encore par séquence dans l'utilisation du ballon, dans la maîtrise collective. Je pense qu'on peut encore s'améliorer là-dessus. J'ai bien aimé l'efficacité générale de l'équipe malgré tout. Et puis voilà, deux, trois petits détails encore qu'on va garder entre nous avec les joueurs. Pour moi, c'était une première, en tout cas en termes d'expérience. J'ai adoré cette expérience-là. C'est vrai que d'être porté par le public, ça change tout. Même dans la préparation, j'ai vu dans la préparation du match avec des joueurs aussi qui étaient très sensibles à l'accueil du public.
Donc voilà, c'est une super idée de la part du club. Ça a très bien répondu aussi. Je crois que les gens étaient impatients. Ils nous ont poussé. Ça fait déjà beaucoup de bruit à 10 000 lorsqu'on a marqué. Alors j'imagine même pas avec une méno pleine. Et j'espère qu'on vivra ça dès dimanche prochain.